Dieu soit avec vous. Be the
À Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Bon Dieu, méritez toute gloire. Amen. Parce que j'ai cherché cette sœur il y a longtemps. Et bon Dieu, vous l'avez ici à matin. Amen. Bon Dieu, vous voyez, non seulement pour bailler bon Dieu gloire, pour être en bénédiction à son Église. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, en comptant de ce que le Seigneur rassemble nos mêmes gens, il y a un moment pour le rassembler petit pio sous elle, pour le réchauffer. Et le Seigneur rassemble nous, les mettez-nous ensemble et nous qu'a senti la présence de Dieu au milieu de nous, n'est-ce pas? Amen. Nous qu'a senti la chaleur divine qui a embrasé chacun de nous. Et nous espérons que le consacre des ici-bas, puisque la consacre pendant toute l'éternité, mais nous va avec le Seigneur. Un jour, nous va chanter devant trône nous même. Et un jour, c'est un viol qui pour l'éclater en louange, le va, ouais, Seigneur là. Et un jour, ou même tout qui connaît mon Dieu, nous sentis comment ça va le bien pour vous. Nous sentis comment ça a payé déjà. Si nous entendons gagner avant vous ça, que sera le ciel. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous connaissons que bien pire monde que c'est au mois d'octobre que bon Dieu te voyait au vini au vivre sur la terre. Et nous demandons si bien monde là qui gagne anniversaire. Pendant le mois d'octobre, ça, mettez-nous debout de telle sorte que nous sommes capables de nous à la fois un conseil et une bénédiction. If your birthday is in October, please stand up. Wow! Sœur Ali. Wow! Mommy. Le conseil d'abord. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je reprends ce texte car en vérité, qui est-ce qui t'a connu? Si le monde qui t'a pas chanté, t'a pas recevoir conseil ça matin. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et maintenant, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et vous donne sa paix. Qu'il en soit ainsi. Bon anniversaire. Vous pouvez vous asseoir. Je veux aussi profiter pour saluer mes frères et mes sœurs de Brooklyn qui chaque premier dimanche gratifient nous de leur présence. Et cela nous va droit au cœur. Mais laissez-nous dire, nous songer que nous sommes dans Christ. Et c'est parce que nous sommes dans Christ qui nous fait que nous carrément unis les uns avec les autres, en dépit de toutes les difficultés. Mais nous sommes d'une seule Église. Mes frères, mes sœurs, merci pour votre présence. Merci pour votre chaleur. Et nous espérons que non seulement la consacrée ici-bas, mais un jour, nous tous nous allons dans le ciel ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Juste après la prédication, nous aurons la joie de partager le repas du Seigneur. Il a été dit, faites ceci en mémoire de moi. En effet, maintenant, je veux de manière particulière saluer aussi les visiteurs qui sont parmi nous. Il y en a un, je veux croire. Et c'est là qui connaît que vini pour la première fois, mettez-le debout. Si vous connaissez que c'est la première fois, vini par vous ici. Il y en a trois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y en a trois. Merci pour votre présence, mon frère. Merci pour votre présence, ma soeur. Thank you for coming today.
nous vraiment apprécier présence. Et nous croyons que le Seigneur gagne une bénédiction spéciale pour tout ça, pour chacun de nous. Et si nous t'apprenons que dans le reste de la vie, nous avons des bénédictions qu'on peut ajouter, songez que c'est parce que nous sommes présents. Jodia, dans la présence de Dieu, et le Seigneur t'est voulu pour rencontrer nous et jeter sur chacun de nous une bénédiction spéciale. Thank you for coming. May God bless you. Et espérez que c'est ta dernière fois. Retournez encore parce que ici c'est votre maison. C'est pas la maison de frère Dormé, c'est la maison de tous les serviteurs de Dieu. Alors, et on sera capable de nous cas, nous va remplir pour nous comme ça, nous va rester en contact les uns avec les autres. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Samedi Dieu voulant, aux environs de 7h de l'après-midi, les familles de l'Église sont priées d'encourager les jeunes à nous rencontrer dans ce temple. Ma reprendre. Les familles de l'Église, je parle de papa et de maman, pour encourager jeunes pour samedi prochain à 7h du soir, pour être capable de rencontrer nous dans ce temple. C'est un moment spécial que les conseillers et moi, nous avons planifié pour permettre aux jeunes de mieux s'épanouir avec Dieu. Donc, nous mettons des bagages sous place pour permettre que jeunes noyaux évoluent. Donc, maman et papa, s'il vous plaît, conduis jeunes noyaux. Samedi, Dieu voulant, à 7h du soir, pour nous capables de commencer avec vous. Now, all youth, you are invited to come here in the church. You are invited to come in the church for a special event on Saturday at 7 p.m. Come to see. Come to see. Dimanche, Dieu voulant, aux environs de 1h30, nous aurons encore une fois notre culte d'adoration et de louange à Dieu. Nous pourrons, en ce dimanche-là, adopter spécialement un nouveau format. Pas pour tous les dimanches, mais un nouveau format pour ce jour. Donc, vous êtes tous, encore une fois, invités. Et pour les annonces spéciales, nous sommes en train de programmer une conférence sur le leadership chrétien. Conférence sur le leadership chrétien. Nous souhaitons pouvoir, dimanche prochain, vous informer de la date exacte en novembre, car ce sera en novembre, et du lieu retenu pour cette conférence débat. Parce que nous rendons compte dans la communauté que leaders nous ont besoin d'une formation. Donc nous avons préparé, nous avons programmé cette conférence à l'intention de tous ceux qui pensent que Dieu les appelle au service, les leaders chrétiens. Donc nous espérons que nous allons faire gagner nouvelle là et tout le monde capable ensemble avec nous. Et dimanche prochain ou plus tard, nous allons informer nous de la date exacte en novembre prochain. Nous tenons aussi à vous informer que le tabernacle aura son premier banquet. Attendez ça bien. Le tabernacle aura son premier banquet le samedi 22 décembre de 7h du soir à 11h. Et disons que c'est le premier banquet. Et l'Église doit pouvoir se supporter elle-même. Donc cela veut dire que tout le monde qui est dans l'Église, tabernacle de Dieu, se fera le devoir d'être présent à ce banquet. Parce que c'est notre premier banquet, le samedi 22 décembre, de 7h PM à 11h. Et m'a annoncé que notre bien-aimée, sœur Aviol, sera là pour chanter la gloire de Dieu. Et ceux qui connaissent Isaac Buteau, le chanteur opéra, il sera là. Donc, les deux feront la paire pour nous gratifier de beaux morceaux à la gloire de Dieu et à notre édification, et également nous réjouir, nous égayer. Ce sera un beau 22 décembre 2018, la première pour notre Église. Et donc la place retenue, c'est Arthur Bagnina, 244 West Old Country Road, Hicksville. Donc les cartes seront disponibles et au cours de la semaine prochaine. Donc, vous aurez de plus en plus d'informations sur la place retenue Arthur Bagnina, 244 West Old Country Road, Hicksville. Le 24 décembre,
le 24 décembre, nous aurons un court service qui sera suivi de réveillon chez les familles Dorné et Joseph, 24 décembre. Maintenant, mes frères, et le 31 décembre, nous aurons notre service spécial de fin d'année. Maintenant, mes frères et mes sœurs, je vous encourage à remplir les formulaires qui doivent servir à dresser la liste des brebis de ce pâturage, procéder à l'organisation des institutions et parvenir à une meilleure approche de la vision et la mission de l'Église. Je dois vous rappeler que vos dîmes sont importantes pour répondre aux besoins et aux exigences financières de cette extension de l'Église de Jésus-Christ. Soyez vous-même les sponsors de votre propre Église, les donateurs pour faciliter les projets que nous rêvons. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, si des gens qui ne connaissent pas, nous voulons rappeler nous que hier, Haïti a été encore une nouvelle fois frappé par un tremblement de terre de 5.9. Donc, nous devons comprendre que notre pays a besoin plus de prières pour que les gens reconnaissent que Jésus-Christ par loin vini. Bon, on le dit samedi. Moi, je veux faire nous connaître que nous avons besoin de prier pour que nos frères haïtiens reconnaissent que Jésus-Christ par loin pour retourner. Car ça, c'est une annonce. Il est toujours dit d'attendre des tremblements de terre. Et c'est vrai ça. Ce sont des signes annonciateurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, priez pour nos frères haïtiens, priez pour ce pays également. Et bien plus, priez pour le tabernacle de Dieu, pour son staff, priez pour toutes les églises chrétiennes, car toutes les églises chrétiennes sont en difficulté. Hier, je disais à quelqu'un que il y a une guerre entre le mal et le bien, une guerre entre le ciel et l'enfer. Et malheureusement, tous les chrétiens se retrouvent dans cette guerre. Donc c'est à vous de vous armer, comme l'apôtre Paul le recommande dans la lettre adressée aux Éphésiens. Armez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Parce que, laissez-le dire, Jésus pas trop loin de retourner. Préparez votre éternité, car Jésus revient bientôt. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Okay. Maintenant, tandis que les personnes préposées à recueillir les offrandes passeront la corbeille, notre bien-aimé frère pourra jouer un morceau de son choix. Yeah.
C'est ma radio essentielle qui vous invite dans leur célébration 9e pour cette année. C'est un gala anniversaire qui a organisé dans l'hôtel Radisson qui est dans Jamaica, au Gandes là, 135-30-140 c'est dans Jamaica. Alors, souvent, nous-mêmes qui dans le green, nous ne sommes pas dans le between, là, nous sommes un petit difficile, obligés de voler, mais quand même, en fait, pour plus d'informations, je vous dis contactez le 631-796-99-52 et je vous dis donation $85 c'est pour aider Radio A dans le travail évangélique que va faire donc venir et supporter ma radio essentielle dans le 9e anniversaire donc c'est 8 décembre, nous avons rendez-vous 8, nous avons rendez-vous 22, nous avons rendez-vous 24, dans le mois de décembre et 31. Donc, sont les dates, 8, c'est pour Radio, ma radio, le 22, c'est le premier banquet tabernacle de Dieu, et le 24, c'est le service, réveillon, car pasteur dormait avec notre famille là. Donc, et le 31, c'est pour tout le monde. Donc, n'a pas invité vous à mettre vous debout, nous allons chanter dans mon télé, Jésus venu pour acheter non moins par la foi. Dans mon télé, Jésus venu pour acheter non moins par la grâce. Dans la grâce. Font péché avec la voix de personne. Yes, alors nous avons une nouvelle version dans le chant d'Esprit. Donc, alors, peut-être que nous chantons après ça. Non, bonté, Jésus. Amen.
cette heure combien mémorable où tu vas nous parler par ton serviteur. Seigneur, nous avons soif d'entendre parler. Donne-nous ce que notre âme a tant besoin, car nous sommes en vie, nous avons de l'envie, nous avons de l'engouement d'entendre les choses spirituelles. Notre âme a soif. Donne-nous cette parole, afin qu'en sortant d'ici, nous puissions dire certainement, tu nous as visités. Serve de ton serviteur malgré sa préparation, mais donne-lui, Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence afin de découvrir ce que nous avons besoin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Parle, tes serviteurs t'écoutent. Parle, en ce moment béni, nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et à présent, paix, silence autour de vous. Laisse le Saint-Esprit parler à vos cœurs à travers son serviteur, le pasteur Lormé Farange. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, je crois devoir vous parler aujourd'hui de ce qu'il y a de plus sacré dans l'Évangile. Ce qu'il y a de plus sacré dans le christianisme, la Sainte Cène. Car notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a demandé à ses disciples et à nous autres de nous souvenir de lui. Qu'il aurait cru, qu'il aurait imaginé que le Seigneur lui-même demanderait à tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre, de se souvenir de lui. Je ne sais pas si vous vous demandez pourquoi cette table revient-elle si souvent dans les églises chrétiennes, plus particulièrement dans les églises baptistes. Pourquoi cette table, pourquoi le pain, pourquoi le vin? Sa présence nous rappelle, mes frères, mes sœurs bien-aimés, cette parole du Seigneur. Car il disait, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la suprême institution de Jésus-Christ pour ses disciples. Non seulement suprême institution, mais aussi la suprême recommandation que notre Seigneur Jésus-Christ t'ait fait à disciples. Faites ceci en mémoire de moi. Non seulement la suprême recommandation, mais aussi la suprême communion de Jésus-Christ avec ses disciples, avec nous-mêmes, Jodia, qui c'est chrétien. Faites ceci, dit-il, en mémoire de moi. Alors la question que j'ai posée, cette table, que représente-t-elle pour chacun de nous ici présents aujourd'hui? La table du Seigneur, c'est un signe du sacrifice. Et m'expliquer que nous prenons le sens de ce mot, la valeur de ce mot, le sacrifice de qui? De Jésus-Christ lui-même. Un signe du sacrifice consenti par le Christ pour me sauver, pour vous sauver. En effet, mes frères, mes sœurs bien-aimés, en Matthieu, le chapitre 26, du verset 26 au verset 28, là il est écrit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ce
ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.